Observons le massif du Chenaillet depuis le rocher de la Perdrix. On peut délimiter trois zones. Une première qui présente des taches de roches plus sombres, une deuxième avec des roches plus claires et des éboulis grossiers, et une dernière zone tout en haut qui est formée de roches très sombres et d'éboulis fins. Regardons ces trois unités de plus près. Dans la première, on observe des taches de roches plus sombres. Ce sont des roches cohérentes, sombres, avec une patine rouille. Ceci indique que cette roche est riche en fer et en magnésium. De plus, on observe de gros cristaux verdâtres, ce sont des pyroxènes. Ces cristaux de pyroxènes sont inclus dans une masse sombre, qui fait penser à du verre volcanique. Mais une observation au microscope montre que l'échantillon est principalement formé de serpentine. La serpentine est issue de l'altération de l'olivine. On observe également ici quelques minéraux de clinopyroxènes, qui sont des pyroxènes modifiés. La roche est donc une roche modifiée, issue d'une roche entièrement cristallisée. On l'appelle serpentinite. La roche d'origine qui a été modifiée était donc constituée d'olivine et de pyroxène. Cette composition vous rappelle sans doute celle de la péridotite. Pour comprendre les modifications qui ont eu lieu, comparons maintenant la composition d'une péridotite et d'une serpentinite. On se rend compte que la grande différence est la teneur en eau. En effet, la péridotite ne contient pas d'eau, contrairement à la serpentinite. On en déduit que la serpentinite est issue de la transformation de la péridotite suite à son hydratation. Ces transformations se font à l'état solide par métamorphisme. On appelle donc aussi la serpentinite de la métapéridotite. Passons maintenant à l'étude de la deuxième zone observée, celle qui contient les roches plus claires. On observe ici des roches entièrement cristallisées contenant deux minéraux. Des minéraux de pyroxène qui sont noirs et des minéraux de plagioclase qui sont blancs. La structure est donc grenue, c'est une roche magmatique plutonique qu'on appelle gabbro. Mais en y regardant de plus près, on voit que certains minéraux sont modifiés. Les pyroxènes sont souvent rouillés, on voit également des plagioclases blancs et on observe surtout qu'autour des pyroxènes, il y a une auréole très sombre. Cette auréole est constituée d'une amphibole qu'on appelle hornblende. Grâce au logiciel Minusque, on peut observer la structure de ces minéraux. On voit que les minéraux d'hornblende contiennent des fonctions hydroxyles. On les repère facilement grâce à l'atome d'hydrogène ici en blanc, relié à un atome d'oxygène ici en rouge. Par contre, les plagioclases et les pyroxènes ne contiennent pas ces fonctions. Or, leur présence montre que les minéraux ont été hydratés. On en déduit que lors de la formation des auréoles d'hornblende, il y a eu addition de radicaux OH. Donc, les minéraux dans le gabbro se sont eux aussi hydratés. On observe sur ce diagramme que la réaction qui permet la transformation minéralogique du plagioclase et du pyroxène en amphibole se fait vers 500-600 degrés Celsius et à faible profondeur. Rappelez-vous, le gabbro s'est formé au niveau de la dorsale à plus de 1000 degrés Celsius. Dans ces conditions, l'association pyroxène-plagioclase est stable. Par contre, si la température diminue, cette association n'est plus stable et la présence d'eau permet la formation d'un nouveau minéral, l'amphibole. Ces transformations minérales se sont faites à l'état solide. On dit qu'il y a eu métamorphisme. On a donc affaire à un gabbro qui a subi un métamorphisme, on l'appelle alors un métagabbro. Poursuivons notre étude du Chenaillet avec la dernière zone, celle qui est plus sombre et qui constitue le sommet du massif. On y observe des roches en forme de boule. Ce sont des roches massives et sombres. On distingue dans ces roches quelques minéraux, mais ils sont trop petits pour être déterminés à l'œil nu. Les minéraux sont inclus dans une pâte non cristallisée, du verre. Il s'agit donc d'une roche magmatique volcanique, du basalte. La forme en coussin nous prouve également la nature de ces roches. En effet, lorsque le magma arrive au contact de l'eau de mer, celui-ci est refroidi très rapidement. Quand du magma basaltique fluide arrive dans l'eau froide, l'extérieur de la coulée se fige en quelques instants. Puis, sous l'effet de la pression exercée par la lave fluide sous-jacente qui continue d'arriver, la mince croûte solidifie, craque. Ainsi se forment les basaltes en coussin ou pilolava. Nous avons donc rencontré une succession de roches avec des péridotites, puis des gabbros et enfin des basaltes. Cette succession de roches doit vous rappeler celle qu'on retrouve dans une lithosphère océanique, avec à la base des péridotites, qui sont les roches du manteau supérieur,
puis des gabbros et des basaltes qui correspondent aux roches de la croûte océanique. Il manque juste les sédiments pour observer la série complète. Eh bien, on les retrouve un petit peu plus loin, au niveau du rocher de la Perdrix. On y observe des roches sédimentaires formées de sédiments qui se sont déposés dans un océan plus ou moins profond. Prenons maintenant un peu de recul et allons en haut du col de l'Isoard pour y replacer le chenaillet dans le paysage. Dans la partie supérieure, on voit le chenaillet, qui est donc, comme on vient de le voir, une lithosphère océanique. Juste en dessous, on observe des roches plus claires qui correspondent à des roches continentales. Le chenaillet est donc une nappe de lithosphère océanique qui a été emmenée, charriée, sur le continent. Cette nappe de lithosphère océanique charriée sur le continent s'appelle également une nappe ophiolitique. On dit que le chenaillet est une ophiolite.